On a la distance. C'est tout bon. Ok. La culture est une matière vivante. Et oui, elle continue d'exister malgré les fermetures liées à la situation sanitaire actuelle. Ce mois-ci, ce qu'on vous propose donc, c'est une plongée dans les coulisses de la création. Nous avons poussé la porte d'un atelier, d'un théâtre, d'un local de répétition et d'un studio pour voir ce qui s'y passe. Direction le Petit Théâtre à Sion, nous nous sommes fait petite souris pour assister à un moment de création de la compagnie You Should Meet My Cousins from Tchernobyl. Nous avons poussé les portes de l'Avocat Studio à Martigny pour rencontrer Yolan Chapa et Cécile Giovannini. Ils sont cousins et ils travaillent sur un projet commun. Le groupe bilingue Valizar Zema prépare un nouvel EP, rencontre dans un local de répétition pour voir comment ils fabriquent une chanson. Et pour commencer, nous entrons dans le laboratoire du compositeur Thierry Épinay. Il nous parle de son nouveau projet concocté avec Sandy Critin, Ticom. Comme compositeur plutôt de musique de film, de théâtre, de cirque. Là, vous avez lancé un nouveau projet Ticom en février 2020, un projet personnel un petit peu différent. Hein. Vous venez du classique, ici on parle d'électro. C'était quoi l'envie, la pulsion de départ? Et ça faisait très longtemps que je n'avais plus exercé la percussion. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir à ce que je faisais à l'origine. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'appréciais dans la percussion? Qu'est-ce qui me bottait le plus? Et c'était tout ce qui était clavier, en l'occurrence le marimba. Alors je me suis dit, je vais intégrer le marimba à mon projet. Autre chose, je voulais faire une musique que personne ne me mandaterait pour la réaliser en fait. Et est né ce projet justement de faire une musique qui soit un peu hybride, donc électro, en même temps organique avec son côté marimba et puis toutes ces machines derrière. C'est vraiment un projet qui est fait pour moi, pour le live. D'habitude, je dirige, on me voit de dos, ou bien je suis dans mon studio, on me voit composer, mais là, ben, je voulais faire un truc vraiment frontalement. Là, c'est un projet où vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Ah, complètement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, je suis toujours en chemin. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, que je suis sur un projet, je ne sais pas ce qui va sortir. Je suis un découvreur plus qu'un compositeur. D'ailleurs, j'aime bien utiliser le mot laboratoire plutôt que studio. Donc, je viens dans mon laboratoire et puis j'essaye, j'expérimente. J'ai beaucoup de matières premières et je les allie. Je fais en sorte que ça marche plus ou moins. Je travaille, ça ne marche pas. Et finalement, après un moment, ça marche. Il y a beaucoup de joie dans ce que vous faites, dans ce projet. Je suis content que vous le releviez. C'est vrai que je cherche à faire danser les gens, je cherche à créer en fait une atmosphère saine et puis bienveillante. J'aime à penser que cette musique, elle est faite pour le live, qu'elle est faite pour les gens qui soient en train de boire des bières, qu'on puisse danser, qu'on puisse être debout, qu'on puisse se rencontrer. C'est vraiment une musique de rencontre et puis je suis très très triste actuellement de ne pas pouvoir la partager autrement que par les plateformes virtuelles. Ici à l'Oxylo, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ouais, justement. Vous travaillez vraiment beaucoup avec la technique, avec Sandy Critin. Il était sur le projet directement dès le début. Il est très très doué dans tout ce qui est justement design sonore, parce que j'ai besoin que ça sonne vraiment, que ça vive. Et puis tout ce qui est vidéo, c'est hyper technique. Et puis bien sûr, la lumière, il est incroyable. Les défis, ils sont justement que la précision de tout ce qui a été fait soit ressentie. Et ça, c'est plutôt le défi d'avoir une expérience et un ressenti, parce que toutes ces choses sont des choses qui sont contrôlées. La suite, vous l'envisagez comment? En ce début d'année, je me réjouis de pouvoir continuer sur cette phase numéro 2, qui est une phase avec des paroles. J'aimerais allier ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, marimba, électro, et puis y mettre des paroles et voir ce que ça donne ensemble, toujours de cette idée de faire des nouvelles découvertes, des nouvelles créations avec des artistes plus ou moins connus, plutôt pas, mais surtout des voix atypiques et singulières.
Vous êtes ici en création au Petit Théâtre pour votre prochaine pièce, donc Monster Truck Killer. Très bonne prononciation. Pas mal, hein. C'est une pièce qui a des références à la pop culture américaine. Alors, c'est quoi cette pop culture et puis en quoi elle vous intéresse? C'est un peu tout ce dans quoi on a été immergé depuis notre enfance, nommément par exemple Star Wars. Je réalise que j'ai Dark Vador avec un haut de forme du 19e siècle sur mon t-shirt. Et c'est des trucs en fait qu'on adore. Enfin, nous, on adore se parler de Guerre des Étoiles, de trucs comme ça, ou de trucs qui sont un peu finalement classé en mode télé-poubelle ou populaire, alors qu'en général, dans le théâtre, on a plus un rapport aux grands mythes ou des trucs comme ça, à des grands penseurs, et il y a un truc un peu élitiste. Et en fait, nous, on considère que pour parler de choses qui nous plaisent, il faut quand même admettre ce qui nous plaît, quoi. Et vous pensez avoir des informations sur cette mutilation en ville? J'ai bien des informations, oui, madame. Je voulais en discuter avec le commissaire là-bas, mais il a l'air très occupé, j'ai donc pensé vous en parler. Je prends ça pour doubler les Allemands. Meilleure fin de phrase. Vous êtes trois pour cette pièce. Alors, vous travaillez comment? Chacun amène ses propres idées et puis il y a cette idée de patchwork. Exactement, ouais. On arrive chacun avec des envies d'eux, on les oppose et puis après on rebondit les uns sur les autres. Donc on a le fil 1, le fil 2. En fait, on se gorge d'images ensuite et on recrache ça dans un texte et des principes scéniques. De quelle manière vous créez vos deux personnages principaux? On aime beaucoup s'inspirer de musiciens de musique lofi, qui est une musique qui n'a pas une belle qualité sonore, mais c'est volontaire. Et en fait, souvent, ces musiciens sont dans cette qualité corporelle de « j'ai pas envie d'être interviewé », où ils se touchent les cheveux, ils se cachent, ils parlent doucement. Et on s'est dit « mais comment on peut recréer cette atmosphère-là de corporalité ?» au théâtre, alors que le théâtre, c'est justement être sur scène et être vu. He phones. You ain't my dad, and you know it, you dick. Il y a aussi cet anglais qui est très particulier. Alors là, c'est quoi l'effet recherché? Tous les spectacles qu'on fait, je pense, parlent de notre passion, la passion qu'on a pour les États-Unis, un fantasme qu'on a des États-Unis. Et en fait, de parler dans un anglais réapproprié, qui est un anglais de notre niveau, avec notre accent. C'est juste pour pouvoir se faire plaisir, se donner l'impression d'être dans un film américain, alors qu'on est en fait à Sion, et ça met une distanciation. You committed a conspiracy, just like what the government has done to John Lennon and Marilyn Monroe. What? Le fait d'avoir une histoire simple, linéaire, avec des personnages qui n'ont pas de conflit entre eux, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Oui, c'est presque la base du travail dramaturgique. C'est un peu anti-dramaturgie classique où ça se construit sur il y a une situation de base, un conflit et la résolution du conflit. Nous, on se place un peu à contresens de ça, où en fait, il y a un univers qui existe, qui peut être dur, mélancolique, aussi drôle, mais en tout cas, entre eux, ils avancent ensemble et ils essaient de faire face. Vous êtes cousin et donc petite nièce et petit neveu de Corinne Aby et Maurice Chapa, voilà pour la filiation. Et puis vous travaillez donc sur un projet, c'est une sorte de dialogue en fait, c'était ça l'idée? Oui, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, fréquentés depuis notre petite enfance. Et puis on s'est retrouvés autour d'une exposition et Yolan m'a parlé de ses écrits. Et du coup, il m'a donné un carnet qu'il n'avait jamais montré avec ses poèmes à l'intérieur. Et ça a mûri quelques temps, même assez longtemps. Tout s'est mélangé. Je suis absolument pas ordonnée pour le disque ici. Un des points qui m'a le plus touché ou qui m'a le rassuré surtout, c'est qu'elle travaille la beauté. Je me suis dit, elle fait tellement de belles choses avec ses propres mains, avec son regard, que si elle va porter un regard sur mes écrits, elle va sûrement trouver quelque chose de beau dedans. Pour me donner de la confiance, pour oser me lancer, je me suis dit, ben, si elle me dit, ça c'est joli, je vais pouvoir aller le montrer après à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez découvert ce carnet? J'étais très flattée qu'il m'accorde sa confiance,
qui me montre quelque chose qui faisait partie de lui intimement. Et puis, ouais, ça m'a plu, ça m'a beaucoup touchée par sa sincérité, la simplicité aussi dans l'écriture. Je le reconnaissais, en fait. Quel regard elle a apporté, Cécile, sur votre travail ? C'est vrai que moi, j'ai l'impression que dès qu'elle vient toucher quelque chose que j'ai pu travailler, ça va encore le magnifier. Grâce à quelqu'un, je peux aller encore plus loin. Elle peut me faire des remarques et me dire, en fait, pourquoi t'as pas amené comme ça ou écrit de cette façon, puis, et vice-versa. On n'a pas toutes les clés en main, nous tout seuls, dans notre propre coin, et on a le droit de s'ouvrir à l'autre. Et en plus, ça, c'est une cousine que maintenant je connais mieux. Et c'est vrai qu'être vulnérable, d'embrasser cette vulnérabilité, je trouve que c'est très agréable. On s'est mis aucune barrière, aucune limite sur la forme que ça allait prendre. D'ailleurs, ça se transforme. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est cette liberté qu'on s'est accordée. Là, on est vraiment dans quelque chose d'expérimental. On essaye des supports, même pour les écrits, Yolande essaye des choses. Moi, pour le visuel, il y a des choses qui sont sur papier, il y a d'autres choses qui vont être sur des supports différents, sur tissu, grand format, petit format. Est-ce que ce sera quelque chose qu'on présente en extérieur, en intérieur ? Pour ça, pour l'instant, c'est encore des choses vagues, mais ça ne nous dérange pas. Vous avez déjà un titre pour ce dialogue ? Oui, c'était... On a donné le titre, plutôt une conclusion, c'est de se dire qu'à la fin, donc aujourd'hui, je t'aime. Verschwindet wie der Gletscher ohne Schau. Rammstein im Radio und Fisch bist du. Und zum Schluss noch deine Augen ist mit dir macht's wieder Sinn. Ein Investor investiert im Dorf, hey, Fregig. Donat sich in Augen, plötzlich ist noch nichts mehr heilig. Heil hören immer nur die mit der Glatze, so ein Plätze 20.000 auf dem Platz da. Waliser Seemar, il y a une histoire de marin, je crois. C'est ce mot, ce bild, que j'ai toujours en Kopf hatte. Der Waliser Seemar, einerseits, was sehr verankert ist. Von da, wo der Kunde aber euch weggeht, das muss nicht unbedingt mit Reisen sein, aber es kann mit Lesen, mit Musik, mit Gedanken sein. Am Anfang habe ich gedacht, funktioniert echt das? Weil ich viel in der Romandie war. Es sind deutsche Namen und schlussendlich war Brücke ein Problem. Es gibt quelque chose qui reste pour toujours. Puis là, on fait un stop. Oui. Une fois que vous avez écrit les paroles, vous passez la raspi et puis vous venez ici à Sierre pour travailler avec un autre membre du groupe, Xavier Moyen. Après, comment vous mettez tout ça ensemble? Ich schreibe sehr oft auch für Torrendalp, dann ich meine Hitte, dann ich Zeit, bin ich oft für mich und das schreibe ich und dann nehme ich das zum Beispiel mit dem Nathan Lüff, mit der Gitarre, Gesang und schicke das dem Xavier und er tut nachher das ergänzen, was könnte man noch für Musik, wie könnte man es noch verändern. Oder eben zum Beispiel auch, wenn ich französische Texte mache, ist er der, der nachher schaut, verhält der Text, was würde man ändern, dass es wirklich gut dient. Combien de grains de sable dans les ailes, j'en sais rien. Combien de gouttes d'eau dans la mer, j'en sais rien. Okay. Peut-être, oui, qu'est-ce que tu penses? Par rapport au processus de création au niveau musical, c'est vous qui développez après la partie musique. Oui, je trouve que c'est une belle alchimie entre tous les membres du groupe, et puis particulièrement entre Jean-Marc et moi. Dans chaque groupe dans lequel je travaille ou j'ai travaillé, il faut qu'il y ait ce contact particulier entre les gens pour qu'une idée ne soit pas développée que par une seule personne, mais par tout le groupe. Et là, bon, Jean-Marc, il m'amène son matériel. Moi, je lui propose des choses, je les enregistre chez moi, je fais les démos. Et après, on les retravaille. Et puis, on travaille quelquefois de manière un peu empirique pour arriver vraiment au résultat final. Vous avez sorti un premier EP, Elements. L'idée, c'est d'en sortir un deuxième Machine Humaine bientôt. Pourquoi cette idée d'une série de plusieurs EP et pas sortir un album? Ja, es hat viele Vorteile. Das eine ist, dass die Lieder im Wahrnehmen ist gut, wenn immer wieder etwas kommt. Und einzelne Lieder rausbringen, also nicht wollen, das macht für mich keinen Sinn. Ich bin immer noch Fan, ich höre viele Schallplatten, ich habe gerne eine Geschichte, ein Album.
Und das ist wie ein Kompromiss. Jetzt sagen wir dir immer wieder, 7-8 Lieder rausbringen mit Videos. Und darum habe ich auf einmal gedacht, wieso nicht einmal Episoden machen, wie halt in den Serien, dass wir wie etwas Fortläufendes machen. Herz macht Sprünge mit mir und dir. Mehr Events gibt es in der Kulturagenda auf kulturwallis.ch.